Et yo les gars, ça y est, nouvelle vidéo, encore en bike park. Cette fois-ci, on est aux Deux Alpes avec le Sips, Wow. toujours. Et là, bah écoutez, on va aller découvrir ces petites pistes du bike park des Deux Alpes. Là, on commence par le domaine de Vénosque. Et écoutez, on se rejoint direct sur les pistes. Bam! Et vous verrez du coup dans la ligne sur YouTube là en bas, j'ai mis toutes les time codes pour toutes les pistes différentes. Donc, si jamais vous voulez checker telle ou telle piste, logiquement, on va en faire beaucoup. Pas énormément de vertes, plutôt bleu, rouge et quelques noirs. Donc, n'hésitez pas à aller checker ça et aussi vous abonner, lâcher un petit like, ça fait toujours plaisir. Allez, cette fois-ci, go sur le vélo. Allez, les gars, on est parti. Pieds moutés, piste bleue, côté Vallée Blanche. Donc là, il me semble, il y a un petit gap. Et après, il y a un petit jump. Donc à droite, vous avez vu piste bleue peut-être. Et là, c'est parti, les virages relevés. Oh, c'est bon ça, faut pas sortir. Bonne table. Allez, c'est la première piste, on se met en confiance dans les virages relevés. On essaie de lâcher les freins. J'essaie de monter bien haut. C'est pas mal là, ça enchaîne des petits virages, ça chauffe déjà les cuisses les mecs. Oh, ça c'était pas mal. Il y a un enchaînement drôle, je pense ça peut sauter. Allez, on enchaîne, deuxième partie. Hop, ça enchaîne, gauche-droite. Ok, un petit gap. Pied mouté, ça reprend. Elle est pas mal, il y a des petits jumps. Des bons virages relevés, franchement, pour une bleue. Ils sont assez hauts. Un petit croisement, faire gaffe. Ça repart. Encore un petit jump. Ouh. Allez, encore quatre petits panneaux. Et on aura fini la première piste. Oh, celui-là il se strap. Et on arrive à la fin, petit bagnole. Hop. Et voilà. On arrive devant un petit spot pour manger le midi, plutôt sympa. Blup. Allez, il doit nous rester encore 3-4 virages. Et on aura fini la pied mouté. Vallée Blanche, Vénosque. Voilà, on retourne aux œufs qu'il faut prendre, faire le télémix. Donc ouais, c'est... juste là, en bas de la station des Deux Alpes, vous avez le premier télémix qui vous amène à Vallée Blanche. Et franchement, là, on a débuté la journée comme ça et c'est plutôt pas mal, il n'y avait personne sur les pistes. Donc les gars, si vous voulez vous amuser
comme il faut vous mettre en confiance pour la suite de la session, je vous conseille vraiment d'aller de ce côté-là. On s'est régalé. Allez, là on va direction Deux Alpes. Allez les gars, cette fois-ci on se retrouve du côté Deux Alpes. Là ici c'est la Diable. Donc écoutez, une piste rouge vraiment qui a l'air pas mal. Donc on a un peu repéré du télésiège. Et écoutez les gars, on va aller se faire plaisir. Hein. Vamos! Allez, direction droite, la rouge, Diable. Pour l'instant c'est chill. On enroule. Et je crois que le jump qui est énervé, c'est juste après ça. L'enchaînement qui est vraiment cool, la grosse table qui est passée, et là on peut enchaîner avec les virages, là c'était brop. Allez, shark fin. Oh, beaucoup de break brop. Oh. Monter bien haut sur cela, c'est incroyable. Piou! Là, je pense que ça se tire. Ah, ça peut être une triple. Et là c'est pas mon niveau, les mecs. Piou, la compression. Là, il y a un beau step up. Ouh! Oh, c'est mis long. Comment on l'a fait? Se sort les doigts les mecs un peu. Ok, là il y a l'enchaînement. Oh, il y a une table. On va passer de vitesse. On peut le prendre comme ça. Ça aussi ça peut se tirer. Virage relevé aux Deux Alpes, les mecs, ils sont vraiment bien. Un top tout bottom. Oh, celle-là, plein de break bump. Ouh, on continue cette piste incroyable. Oh, c'est tout lisse là, j'aime bien, on peut faire des petits nose. Oh ben beau jump. C'est un BMX race là. Ok, là il y aura un petit drop à faire. Là il y a un petit wall mais pas grand fan. Ah, ça se saute ça en fait. J'ai dit, on a beaucoup de vitesse. Oh, un beau poney, ça fait du bien. Faut relâcher un peu plus les freins. On fait un petit gap. Oh, il y a des traces qui ont l'air vachement cool les mecs. Du moins qu'on connaisse un peu plus le spot.
On va pouvoir sauter ça. On se finit cette diable qui m'a vraiment tué. Voilà, bon ben c'est comme ça qu'elle se finit. Et après elle rejoint d'autres petites pistes. On va voir sur quoi ça donne. Les deux choix. Regardez, même pour une piste verte, vous avez vu les virages relevés, ils sont bien hauts, moyen de prendre des bons appuis, il y a pour tout niveau, donc c'est vraiment bonnard, moyen de se faire plaisir partout aux deux Alpes. Ah, du flow avec les petits rolls. Le petit photographe, faire le beau les mecs. Hop, ça se tire tranquille. Oh, il y a des méchants break-up. On va prendre par en bas, tant pis. Celle-là, on peut monter. Un petit passage dans la forêt. Chill, c'est là où on respire un peu. Tout mignon comme tout, je passerai dans le bois, je suis d'un ruisseau. Je pense que là on arrive vers la fin de cette piste. Pas très loin de la station. Voilà, bah écoutez, petite verre, vraiment bonne petite régalade. Pour vous montrer un peu, vous avez aussi le plan des pistes ici, de quoi boire. Et de quoi laver ses vélos en fin de session, donc c'est plutôt pas mal. Donc juste en bas, des remontées pour aller faire les pistes diables, etc. Voilà, le petit plan des pistes. Bon ben les gars, ça y est, on part pour ma première piste noire aux deux Alpes. Elle s'appelle la Sapin, c'est ça? Sapin. Donc écoutez, soyez indulgents, on va passer, on va voir ce qui se passe. On va essayer de pas trop se chier et de se régaler surtout. Donc, vamos les mecs! Allez, vamos! Pour l'instant, des petits virages relevés sympas. Là-bas, ça commence, on voit un gros wall. Ça, c'est un beau saut qui se faisait. Pour l'instant, c'est agréable. Là, ça, c'est le truc qui se tire. Oh, l'enculé, il a tiré.
compréhension, ça va très vite. Ça descend fort là. Pas encore au niveau de prendre la petite passerelle en bois. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Ah, il y avait un gap. Ok, donc petit repérage. Ça va être là le ward. Petit repérage d'un gap. Et là après j'ai l'impression que ça enchaîne très fort. Ça a l'air resserré dans les sapins. Pas pour rien qu'elle s'appelle sapin, je pense. Allez. Hop là, c'est technique un peu raide. On va suivre les traces du cips. Il y en a arrière. Je sais pas si ça se ressent que ça descend fort, mais vous avez vu le panneau, vu le nombre de kilomètres et le dénivelé. Ouh, on a fait sortir. Allez, petite erreur, ça arrive. Oh, les freins, on les teste bien là. Si vous voulez chauffer vos freins, les mecs. Allez, on est sorti de cette petite phase. Là, on est sur des virages un peu plus. On peut accélérer un peu. Ça doit y avoir un gros jump, on va faire gaffe. Donc là, vous voyez, soit une passerelle à gauche, soit un beau road gap. Je pense que vu la vitesse que t'as, il se fait tranquille. Allez, cette fois on passe par la passerelle, mais si on se sort un peu les doigts, il y a moyen. Ah, j'ai mal mis ma pédale, voilà, c'est bon. Lui, il se faisait facile, hein? Et ouais, c'est qu'on n'a pas repéré les mecs avant, donc on y va pétzouz. On y va. Et moi d'aller 200 fois plus vite, hein, bien sûr. Oh, c'est bon ça. Putain, des fois je perds ma pédale. Oh, dans l'ornière, ça glisse. Eh bien, elle est longue aussi, hein. Pas où on en est. Ouh. Bon ben les gars, ça y est, on l'a fait cette piste noire. Ouais. Très content. C'est qu'il m'a bien chauffé en assez étant bien devant. Lui, il a réussi à faire ses petites doubles. Et les gars, nous on se kiffe de fou aux deux Alpes, c'est vraiment bonnard. Là on va s'enchaîner, on a vu une piste rouge qui s'appelle la 666. Donc on va aller tester ça, on va essayer d'envoyer. Et vraiment, les gars, on continue. Allez les gars, ça y est, on est devant la fameuse 666 avec un panorama magnifique. On va essayer de s'envoyer à une bonne petite piste rouge. Et bah, les gars, ça roule hein, allez.
Là il y a un gros gap avec un trou celui-là. J'ai pas les couilles encore. Pas s'inventer des vies. Ouh, celui-là c'est une bonne double. Ah c'est ça la double. Ouais. Se tape les cuisses dès le début. Hop, un peu de descente. Ok, première partie terminée. Pas mal. Je me suis sorti. Ah, c'était là. C'est bon là. Ouh, il y a du gros cassant les mecs ici, il faut faire gaffe de ne pas sortir. Oh, petit passage les mecs. Ça enchaîne cassant et après des bons virages, c'est vraiment pas mal. Allez, on continue. Encore du cassant. Hop. Et comme je vous le disais juste après le virage. Et après, petite pause repas. Petit gap direct. Hop, faut le rouler celui-là parce qu'après, tu vas tout droit. Shark feed. Oh, ça s'estire, si. Ça, c'est tranquille. Ah, des sauces que je préfère. Oh, j'ai failli m'enculer. Allez, on a respiré un coup. On repart. Et là, c'est à gauche. Hop, attention racine. Hop là, une petite passerelle en bois, comme je déteste. Ok, un peu d'équilibre. Oh, allez. Là j'aime pas, c'est un escalier.
Oh, j'ai plus de cuisses, les mecs. Putain, encore 10 panneaux. Qu'est-ce qu'elles sont longues, les pistes ici. Vous avez de quoi vous régaler. Oh, ça se sautait peut-être. On va prendre la trace tranquille. Oups, c'est serré. En vrai, les mecs, même si vous faites pas que rider, la station Les Deux Alpes, vraiment, elle est incroyable. Il y a vraiment plein d'activités. Bon, pour les riders, évidemment, c'est beaucoup mieux. Oh. Allez, on enchaîne. Petite trip pour ceux qui le souhaitent. Et là, vous voyez, il y a la partie pour aller à Venosk. Et là, c'est une piste qui descend encore super loin, tout en bas. Et on va laisser la foutre tout à l'heure, de toute façon, celle-là. Je vous promets, restez tout le long de la vidéo, la Venosk, elle vaut vraiment le coup, elle est incroyable. Allez les gars, on est reparti. Piste rouge, Venosk. Allez, on va s'envoyer encore un peu. On garde les dernières énergies. Là, je crois qu'il y avait un gros trou. Ah, celui-là, il se faisait. Il y a beaucoup de gaps sur cette piste qui ont l'air pas mal. Donc, les gars, la prochaine fois qu'on se la refait, on peut s'envoyer les gaps. Ça, c'est bon, les sauts, c'est mon truc préféré. On n'a pas trop pu repérer. Cuisses, elles vont bientôt lâcher, les mecs. Oh. Pas mal de break bump, ça me baisse ça. Oh. Oh, il y avait une petite tape sympa là, raté. Hop, la mouche qui vient nous dire coucou. Oh là, ça descendait bien. Yes!
Allez, petite pause. Dans Vénosque, on passe par des terres noires comme ça. C'est magnifique. Et puis là, la terre est vraiment bonne du coup. C'est un peu humide, vu qu'il a plu ce week-end encore. Forcément, on est en été, il pleut. Hein. Bon, là, on peut faire des petits dérapages dedans. Hop, on se cale dans le mur. Oh, ce saut est incroyable. Oh, quelle piste. Ah, je me suis chié de ça. Putain, mais il y a un autre chemin où tu peux prendre tout droit, là. Bon, on a pas assez de vitesse. Oh, bah si, ça passe tout seul. Un peu de souffle, toujours épuisant ces pistes à Val Nord, aux deux Alpes, peut-être moi aussi. Un petit gap après le virage, hop, on se met bien en arrière, ça passe. Ah, j'ai fait une pause juste en haut, moi. J'avais fait une pause juste en haut. Qu'est-ce que c'est beau, les mecs, c'est incroyable. Hop, on passe par les petits ruisseaux. Hop là, même un peu de gadou. C'est bon ça. Petit drop. Hop, petite table. Yes! Putain, ce petit module super sympa passe tout seul. Les break bump. Un petit passerelle autour d'un ruisseau. Magnifique. Là, je pense qu'on va arriver vers la fin. Ça tombe bien, j'ai plus de bras. Eh bien les gars, ultra kiffante cette piste, incroyable. Bon, il reste vite fait ça et après vous reprenez les œufs et vous pouvez remonter à la station tranquille. Bon ben les gars, ça y est, après cette fin de piste de Vénos qui était incroyable, comme tout, comme toutes ces pistes aux deux Alpes, très validées, avec le petit YT derrière qu'il va falloir bien nettoyer parce que là il prend cher le pauvre. Mais écoutez, nous on a grave kiffé, j'espère que vous aussi vous avez kiffé. Si vous avez kiffé, bah, n'hésitez pas à vous abonner, petit commentaire, petit like, ça fait toujours plaisir. Et les gars, on se rejoint bientôt pour un nouveau ride, certainement encore en bike park ou au pire des camps enduro. Allez les mecs, à la prochaine. Ciao.